honorons Jésus. Tiens-toi debout et acclame Jésus, apprécie sa présence. C'est une grâce, acclame Jésus. Fais comme le pianiste, il a compris. Il célèbre Jésus avec son instrument. Acclame-le et pousse des cris de joie. Il est notre Seigneur. Gloire à Jésus. Continue d'acclamer bien fort le Seigneur. Pendant que tu l'acclames, lève ta voix et commence à prier simplement. Laisse aller la prière, laisse aller la louange, laisse aller la prière, laisse aller la louange. Oh Seigneur notre Dieu, nous sommes venus pour toi aujourd'hui, en ce sixième jour des 30 jours. Nous voulons te dire merci. Merci pour le premier jour, merci pour le deuxième jour, merci pour le troisième, le quatrième, le cinquième. Et merci encore pour la grâce du sixième jour. Six jeûnes d'enseignement, six jours d'enseignement, six jours de jeûne, six jours de prière, six jours de la quête de ton cœur. Nous sommes reconnaissants, notre Dieu, simplement waouh, parce que tu as fait pour nous des grandes choses et des bonnes choses. Nous sommes très reconnaissants. Merci. Depuis ce matin, un souffle de vie renouvelé. Depuis ce matin, les forces, oh, la motricité, nos mains peuvent toucher. Nous pouvons nous déplacer, nous pouvons parler. Et nous sommes en forme dans ta présence. Nous sommes venus te rendre donc les actions de grâce. Nous sommes venus te rendre notre prière d'action de grâce pour te dire merci. Lève ta voix et dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci à celui qui fait toutes choses. Merci au Père, merci au Fils, merci à l'Esprit Saint. Merci pour tout, ô Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Notre première semaine se termine. Et demain dimanche, le premier jour de la semaine, nous prendrons le soin, ô Dieu, de regarder au chemin parcouru pendant ces 30 jours. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, nous bénissons ton nom. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Merci. Est-ce que tu peux l'appeler Jésus, Jésus? Merci. Oh, merci, merci, mon roi, merci. Merci. Simplement reconnaissant, merci. Merci. Simplement reconnaissance, merci. Merci. Lorsque nous voyons ce que tu as fait, nous disons merci. Merci. Oh, merci. Oh, merci. Merci pour la grâce, pour tes bontés, nous te disons, merci. Nous te disons, papa, merci. Merci. Ah, tu as tellement fait, tu as multiplié, merci. Tu as complété, tu as additionné notre Père et notre merci. Dieu. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Merci. Il y a tellement de choses que tu as fait, notre Dieu. Nous merci. Sommes reconnaissants. Alors reçois ce faible mot. Merci. Alors reçois ce mot et racheté. Alors nous sommes revenus ce soir comme ce lépreux, notre merci. Dieu. Avec un sentiment de reconnaissance, de gratitude. Merci. Merci, merci. Lorsque tu chantes ce chant, regarde à ce qu'il a fait pour toi. Merci. Ne voit-il pas un simple merci, notre roi? Merci. Seigneur Jésus, nous sommes dans un esprit de reconnaissance. Merci. Oh. Merci, merci, merci. Ah oui, merci, merci, merci. Merci. La Église te dit merci, Seigneur. Merci. Le corps de Christ te dit merci, Seigneur. Merci. Parce que tout n'est que grâce, roi. Merci. La santé est une grâce. Merci. Le souffle de vie est une grâce. Merci. Le travail, le ministère est une grâce. Merci. Se vêtir, avoir de quoi manger, une grâce. Merci. Avoir un toit, c'est une grâce. Oh. Alors nous te disons merci, merci. Merci, merci, merci Seigneur. Merci. C'est une prière sincère. Oh. Merci.
ressemble à rien. Merci. Merci. Merci, merci. Merci. Waouh, acclamons-le bien fort, bien fort, bien fort. Father, we thank you, we bless you, we worship you. Oh, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'adorons et nous te disons un grand merci. Reçois ces acclamations, symbole de notre reconnaissance. Lorsque tu acclames, tu es en train de lui dire, Jésus, merci. Merci pour tout, pour le chemin parcouru depuis le jour de ma naissance, où tu as commencé avant ma naissance à me tisser dans le ventre de ma mère. Et depuis le jour où je suis sorti, tu m'as préservé. Je ne sais pas ton âge, mais depuis cet âge, le Seigneur est en train de te préserver. Car il y a ceux de ta génération qui sont partis déjà avant toi. Mais toi, il te préserve parce que tu es sa grâce. La prunelle de ses yeux, tu es. Seigneur, merci. Merci pour tout. Nous sommes reconnaissants. Nous savons que tout nous vient de toi. Et nous n'avons pas de raison de nous séparer de toi. C'est de notre intérêt, de notre cœur, de notre bien. Ça nous fait énormément du bien de te savoir et de t'avoir comme Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Acclamons pour l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. Acclame bien fort pour le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit, tu ferais mieux que ça avec des cris de joie. Pour le Saint-Esprit, avec des cris de joie. Dieu au milieu de nous. Oh! Merci, 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 merci. Béni sois-tu, Seigneur. Daigne agréer notre prière dans le nom de Jésus. Quelqu'un dise amen trois fois. Non, un amen vrai trois fois. Amen. Amen. Oh, plus fort que ça. Amen, amen, amen. Acclame Jésus. Alléluia. Waouh. Je sens que celui qui avait dit que tu ne gêneras pas là, il a eu tort. Il dit, oh, mais qui est celui-là? Même à 18 heures après, il n'a pas mangé, il est toujours debout. Il dit, mais oui, le Seigneur est ma force. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Veuillez prendre place. Nous bénissons le Seigneur. Merci, la louange. Ah, vous êtes bien vêtus, c'est bien ça. Vous devenez agréable à voir sur l'estrade. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes arrivés au sixième jour de nos 30 jours célestes et nous voulons rendre vraiment des actions de grâce à notre Seigneur. Amen. Donc hier nous avons démarré, nous sommes en train d'aborder, je rappelle, les trois dimensions de la prière. La dimension de chercher, la dimension de frapper et la dimension de demander. Amen. Hier nous avons démarré, nous avons finalisé la dimension de chercher et nous avons introduit, nous sommes un peu avancés dans la dimension de frapper. Quelqu'un me comprend? Et donc, nous avons parlé de plusieurs choses hier. Nous avons continué en disant que la dimension de frapper va nécessiter deux éléments. Lorsque tu frappes, tu as besoin de deux éléments majeurs. Le premier élément dont on a parlé, ce sont des actions de grâce. On a vu comment Paul parlait à l'église de Colosse dans Colossiens chapitre 4 lorsqu'il leur disait « Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce ». Et on a compris ce que c'était des actions de grâce. Nous avons fait la différence entre ce que l'on appelle une prière d'action de grâce et les actions de grâce. On a dit quand on parle de prière d'action de grâce, il s'agit des remerciements que nous adressons à Dieu. Mais quand on parle des actions de grâce, ce sont des actions que nous posons par rapport, suite aux grâces que nous avons reçues du Seigneur. Amen. Donc on a parlé de les remerciements et de la reconnaissance. Donc la prière d'action de grâce, c'est des remerciements. Et la prière, les actions de grâce, c'est des actions ou des actes de reconnaissance. Alléluia. Donc, lorsqu'on vient frapper à la porte de Dieu, Dieu attend de nous que nous soyons reconnaissants. On a compris que quand tu viens prier pour le même problème depuis 6 ans, il est important pour toi de se rappeler de tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Cela va t'encourager. Amen. Hein? Et on a vu que reconnaître Dieu dans toutes tes voies
Le psalmiste dit, le sage dit dans Proverbe 3:6 qu'il aplanira tes sentiers. On a vu que le mot reconnaître Dieu dans ses voies-là, c'est direct, il voulait dire le chemin et la direction. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu prends le temps de reconnaître Dieu par rapport à ce qu'il a déjà fait, Dieu vient avec toi et il te donne une orientation, une direction là où tu dois aller. Alléluia. La deuxième chose, on a dit, lorsque tu frappes au cœur de Dieu, il faudra que tu arrives, tu frappes à la porte, il faudra que tu arrives à prier pour que Dieu ouvre aussi des portes aux autres. On a repris l'exemple de l'apôtre Paul qui était appelé à prêcher l'évangile et il demande à l'église de prier au même temps qu'eux ils sont en train de prier, qu'ils prient également pour eux afin que Dieu leur ouvre les portes de la parole. Acclame le Seigneur et réveille la voisine qui dort. Réveille bien la voisine par tes acclamations. Très bien. Amen. Puis on a compris ce que c'était les portes. On a dit que les portes, ce sont des situations qui n'ont pas d'issue, des solutions, des problèmes qui n'ont pas de solution, des choses que tu attends de Dieu depuis des années, pour lesquelles tu es en train de prier et que tu ne vois pas d'issue. Tout cela s'appelle des portes. Le travail est une porte, le mariage est une porte. Beaucoup de choses consistent des portes. Amen. Puis nous avons parlé de l'avantage de la dimension de frapper. On a dit que lorsque nous atteignons, lorsqu'un homme ou une femme atteint la dimension de frapper, c'est une personne qui n'abandonne pas. Qui n'abandonne pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore répondu que tu dois abandonner. Ce qui fonctionne dans la dimension de frapper dans la prière, c'est des hommes et des femmes qui n'abandonnent pas. Et hier, nous avons prié pour que nous devenions les hommes et les femmes qui n'abandonnent pas. Amen. Si tu étais là, acclame Jésus. Et si tu n'étais pas là aussi, acclame Jésus, reçois l'onction d'hier. Alléluia. Oh, regarde comment tu acclames. Acclame le Seigneur bien fort. Amen. C'est très important. Et ce qui était très capital dans ça, c'est qu'on a dit qu'au fur et à mesure que tu es en train de prier, en train de frapper, en train de frapper à la porte, Dieu va utiliser le temps que tu donnes pour frapper là, il va le convertir en circonstance et la circonstance va ouvrir une nouvelle saison. Autrement dit, plus tu frappes, plus tu attends, tu es en train de compléter et d'additionner des occasions que Dieu va utiliser pour t'ouvrir une nouvelle saison. Et on a dit, c'est pour ça que lorsque une nouvelle saison commence, vous allez remarquer que la personne a un nouveau manteau, une nouvelle manière d'opérer, une nouvelle manière de faire. À chaque fois que Dieu change une saison dans ta vie spirituelle, tu vas voir qu'il y a une manière de faire qui change. Quand tu es prédicateur, si Dieu te change la saison dans le domaine de la prédication, ta manière de prêcher la parole change. Quelqu'un me comprend? Et je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus. Que tu vives une nouvelle saison. Acclamons bien fort le Seigneur. Alléluia. Et on a vu comment David frappait. On a dit quand tu frappes, quand tu es à la porte, quand tu es en train de prier, d'attendre, malgré le fait qu'il n'y a pas de réponse, c'est au même temps que tu fais cela que le Seigneur est en train de t'exercer. David dit, il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Amen. Alors, je vais te demander humblement d'aller sur la M sur la TV pour continuer à suivre le message. Sinon, on a fini par dire le deuxième critère de ceux qui frappent, ceux qui fonctionnent à la dimension de frapper, c'est les hommes et les femmes qui ne lâchent rien. Qui ne lâchent rien. Même si tu ne vois pas, tu ne lâches pas. Tu n'abandonnes pas parce que Dieu n'a pas répondu. Tu sais que Dieu répondra tôt ou tard. La Bible dit que il est celui qui se lève le dernier et il se lèvera le dernier. Amen. Hein? Parce que ça fait partie de sa nature. Alléluia. La nature de Dieu, c'est d'observer les choses et de se lever pour prendre un décret pour montrer sa gloire. Alléluia. Regardez, pourquoi Dieu va laisser Lazare mourir, un ami de Jésus. Il va laisser Lazare mourir jusqu'à pourrir 4 jours dans le tombeau. Pourquoi il n'empêche pas à Lazare de tomber malade et que cette maladie tue Lazare? Il permet cela pour montrer sa gloire.
C'est sa nature. Il aime se lever le dernier. Donc, ceux qui opèrent dans la dimension de frapper ont compris que mon Dieu est un Dieu qui se lève le dernier. Même si je suis en train de demander et qu'il n'y a pas de résultat, par la finalité, c'est qu'il finira toujours par se lever et donner une réponse. J'apporte cela dans ta vie comme une déclaration prophétique au nom de Jésus. Que les nouvelles saisons arrivent, que toutes les prières que tu as faites à Dieu, que Dieu actualise cela pour t'ouvrir une porte nouvelle. Acclame bien fort le Seigneur, acclame-le bien fort. Oh, acclame-le bien fort. Je suis en train de communiquer l'onction de David. Alléluia. Tu frapperas au cœur de Dieu. Par la prière, tu resteras à la porte. Oh, même quand tu ne vois pas, tu dis, je sais que mon Dieu pourvoira. Ça viendra. Je sais, je ne sais. Mais il a prévu un temps. Alléluia. Waouh. Quelqu'un dise, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne lâche rien. Je continuerai de prier, de frapper à la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Alléluia. Je prie que vous devenez des défenseurs de portes. Vous défoncez des portes. Donne-moi le amen. Oh, que vous dépassez, Alléluia. Défoncez les portes, mes frères. Donne-moi le amen. Oui. La femme à la perte de sang avait défoncé la porte. Jésus n'était pas dans son programme. Mais la Bible dit, cette femme parla en elle-même. Si seulement je puis, si seulement je puis. Et puis elle est venue point toucher le bord. Je lui ai dit, qui m'a touché? Quelque chose m'a quitté. Il y a des fois où tu as juste besoin de prendre. Est-ce que je te parle? Oh, acclame Jésus. Ne lâche rien. Alléluia. Voici ce que je dirais pour continuer. Je vais continuer. Il se peut que nous touchons la dimension de la demande, de demander. Donc, quand tu frappes par la prière, et si Dieu ouvre une porte, c'est que Dieu va combattre à tes côtés. Je le redis encore. Quand tu frappes, tu attends 1 mois, 2 mois, 6 ans, 3 ans. Je ne sais pas, ça dépend des cas, de personnes. Mais le jour où Dieu va prendre le soin d'ouvrir la porte, de se saisir de ta prière et d'ouvrir la porte, c'est que Dieu est avec toi lui-même. Parce qu'on a dit que Jésus est la porte. Est-ce que je te parle? Quand il t'ouvre la porte, il est avec toi et il va commencer à combattre à tes côtés. Amen. Hein? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si Dieu t'ouvre par exemple la porte de l'entrepreneuriat et que tu montes une boîte, Dieu va s'en occuper, il va ramener des clients. Des fois tu ne vas pas demander, mais c'est lui-même qui ramènera les clients. Donne-moi le amen. Parce que Dieu n'aime pas l'échec. Quand il donne, il donne aussi les moyens. Est-ce que je te parle? Celui qui donne la vision, c'est lui qui apporte la provision. Amen. Hein? Oui, s'il t'ouvre la porte pour le mariage, oui, le mariage, je vais encore en parler. S'il t'ouvre la porte pour le mariage, il bénira cet homme pour qu'il t'offre des cadeaux tels qu'on ne t'avait jamais donné. Amen. Même s'il n'a rien, si toi tu as prié depuis 6 ans ou 6 mois et que cet homme est venu, il t'a marié, même pendant qu'il te marie là, il n'a rien, dis-toi qu'il y a quelque chose en lui. Dieu, c'est une bénédiction pour toi parce que Dieu va toujours l'utiliser pour te bénir. Amen. Hein? La Bible dit, mauvais que nous sommes, nous les hommes, nous donnons à nos enfants des bonnes choses. Combien à plus forte raison Dieu nous donnera des bonnes choses? Quand tu as frappé, tout ce qui arrive derrière comme réponse, c'est un don de Dieu. Amen. J'annonce à une femme mariée que ton mari est un don de Dieu pour toi. Oh, ton mari est un don de Dieu pour toi. Donne-moi l'amen. Alléluia. Bon, on inverse aussi. Ta femme aussi, c'est un don de Dieu. Oh, que les femmes acclament le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans la dimension de frapper, on reste devant la porte et on continue de frapper. On reste devant la porte et on continue de frapper. Jean va parler dans Apocalypse 3:20. Il dit, voici, je me tiens à la porte. C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui
et je soupirai avec lui et lui avec moi. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il dit, je me tiens, voici je me tiens à la porte et je frappe. Donc, pour frapper bien à la porte, des fois Dieu te demande de rester devant, de ne pas bouger. C'est rester focalisé. Quelqu'un me comprend? Je me tiens à la porte. Le mot ici c'est istemi, qui veut dire se maintenir. C'est-à-dire que Jésus, lorsqu'il dit je me tiens à la porte et je frappe, celui qui ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui. Jésus est en train de dire quoi? Il dit que je me maintiens là et je continue de prier, de parler, jusqu'à ce que tu entendes ma voix et que tu ouvres. Donc, une personne qui opère dans la dimension de frapper, c'est quelqu'un qui se maintient. Se maintenir est la qualité de celui qui n'hésite pas et qui n'abandonne pas. Amen. Hein? Quand tu n'hésites pas et tu n'abandonnes pas, Dieu te maintiendra. Est-ce que je te parle? Donc, c'est la dimension de chercher qui donne de maintenir un rythme de prière constant. Quand quelqu'un frappe, demande, il n'y a pas de réponse, la personne viendra, continuera toujours à frapper parce qu'elle s'attend à une réponse. Est-ce que je te parle? Et c'est là que nous sommes capables de maintenir un rythme de prière constant. Ayez l'habitude de venir frapper au cœur de Dieu. Quand vous n'abandonnez jamais, quand vous ne lâchez rien, votre rythme de prière est constant. C'est le découragement qui nous empêche d'avoir la constance dans la prière. Le découragement. Je peux te dire que si tu as un rythme de prière, même quand le corps ne veut pas, mais ton esprit va dire à ton corps, lève-toi, nous avons l'habitude de prier avec ce gars-là à cette heure-ci. Et ton corps va se lever. Est-ce que je te parle? Acclame-moi bien fort, Jésus. Acclame bien fort. Donc le Seigneur dit, je me tiens et je frappe. Je me tiens et je frappe. C'est pourquoi Jésus n'avait jamais cessé de prier malgré les oppositions. On a failli le précipiter sur les falaises. Lorsqu'il a quitté le désert, il est rentré dans le temple, il annonçait l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a roi pour. Après, il dit, cette parole de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. Les hommes ont failli le pousser dans les falaises et le tuer. La Bible dit, il passa au milieu d'eux. Mais Jésus continuait toujours de se tenir à la porte et il frappait. Il frappait parce qu'il voulait de toi. On lui a fait des combats, on lui a fait des coups bas, des trahisons. Judas l'a trahi, Pierre l'a renié, mais à la croix, il continuait de frapper au cœur de Dieu pour eux. Ah, il dit, Père, pardonne eux. Même les soldats qui frappaient, les soldats qui le battaient là, il disait, oh Père, il mourait pour eux. Il continuait à frapper pour eux. Il n'avait pas regardé tout ce qui se passait. Amen. Hein? Donc, il se tenait là, devant la porte de ton cœur, pour que toi et moi, nous puissions accéder au salut. Amen. Hein? Maintenant, regarde, combien de fois Jésus a attendu devant toi pour que toi, tu lui ouvres ton cœur. Moi, j'ai dû faire attendre Jésus 28 ans avant d'ouvrir le cœur. Donc, il frappait à la porte. Elle lui, je te veux. Non, Jésus, moi, je veux la musique, je veux mon pao. Non, Jésus, moi, je veux le whisky, je veux la bière. Non, Jésus, moi, je veux les boîtes de nuit. Pendant 28 ans, Jésus s'est pas fatigué. Et à 28 ans, je lui ai ouvert la porte et il est rentré. Quelle patience! Acclamons Jésus. Toi qui lui as ouvert la porte de ton cœur à 40 ans, le gars a attendu 40 ans pour t'avoir. Je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend, ouvre, je souperai chez lui. Jésus a fait 40 ans devant toi. Toi qui as connu, tu as 40 ans là. Tu as fait attendre Jésus 40 ans. 40 ans en train de prier. 40 ans, Père, à lui. Il te supporte, il te court après 40 ans. Quelle patience. Maintenant, toi, tu frappes pour quelque chose. Au bout de 6 mois, pasteur, j'en peux plus, j'arrête de prier. Je ne peux plus pour ça parce que je ne vois pas de résultat. Donc, il n'y a rien. Je ne sais pas si Dieu m'entend encore. Tu abandonnes. Mais Jésus, pour moi, 28 ans. 28 ans, mes frères. 28 ans.
en train de chercher un païen, un gars mauvais. 28 ans. Frappez, 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 frappez. Ne vous découragez jamais. On n'a pas dit que lorsque vous prierez, automatiquement, il vous donnera. On dit, il vous sera donné. On dit même, il vous sera donné. On donnera à celui qui demande. On ouvrira à celui qui frappe. Quand vous frappez, tôt ou tard, on va toujours vous ouvrir. Est-ce que tu me comprends? Donc, ayez l'habitude de ne jamais, jamais, jamais lâcher. Amen, hein? Alléluia. Acclame encore bien fort Jésus. Je veux qu'on acclame Jésus. Acclame bien fort Jésus. Pourquoi tu ne dois pas lâcher? Pourquoi tu ne dois pas lâcher? Parce que le Seigneur prend toujours un temps. Il fixe toujours un temps pour accomplir toutes ses promesses. Il y a un temps que Dieu a prévu pour l'exaucement de ses promesses. Ce qu'on appelle le temps accompli. Jésus a été promis comme l'agneau de Dieu, comme celui qui devait venir apporter le salut à Israël. Il est venu, mais il avait été promis depuis longtemps. C'est pour ça que beaucoup de Juifs jusqu'à maintenant qui n'ont pas cru à Jésus attendent que Jésus revienne. Ils attendent. Pourquoi? Parce que c'était une promesse. Mais la Bible dit ici dans Galates 4, il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Quand? Lorsque les temps ont été accomplis. Pendant que le peuple soupirait, où est le Messie? Où est le Sauveur? Mais Dieu ne répondait pas. Il continuait de soupirer. Vous avez l'exemple de Siméon. Siméon qui attendait la nature de Christ, la naissance de Christ. Qu'est-ce qu'il a fait Siméon? Non, la naissance de Jésus, pas de Christ. Christ n'est pas né, parce que Christ est le Fils. Amen. Jésus, c'est l'enfant qui est né. Donc, Siméon attendait la naissance de Jésus. Et parce que c'était une promesse, il a dû vieillir. Il était jeune, il a commencé à entendre ça. Il a vieilli. Il a vieilli. Il a dit, hé Dieu, je commence à partir. Accorde-moi la grâce de voir ce gars-là avant de mourir. Et puis, Marie et Joseph, un jour, apportent l'enfant au temple. Siméon prend l'enfant comme ça, il soulève, il dit, ah, je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu as permis que mes yeux, les yeux de ton serviteur, voient le Messie. Maintenant, tu peux me laisser aller en paix. Siméon a déposé. Mais combien d'années plus tard? Longtemps. Il a attendu le temps accompli. Dis à deux personnes, le temps accompli. Le temps accompli. Je veux dire à quelqu'un que lorsque tu opères dans la dimension de frapper, ne te fixe pas un temps. Car Dieu règle nos problèmes lorsque le temps est accompli. Ne dis pas que je vais prier pour mon problème pendant 2 mois. Si je ne vois pas l'exaucement, j'arrête. Non. Ne dis pas que moi aujourd'hui, tel que j'ai prié pour mon mari, tel que j'ai gêné là. Non. Si, dans une année après, je ne me marie pas, il n'y a pas de femme. Non, je ne prierai plus pour ça, c'est fini pour moi. Non. Parce que le temps accompli, c'est le temps que Dieu a préparé. Amen. Hein? Pourquoi on parle de temps accompli? Donc accompli, il y a accomplissement. Dieu ne peut pas te donner des choses si toi-même tu n'es pas un homme accompli. Il ne peut pas te donner des choses que toi tu ne peux pas gérer. Tu es encore une fille, tu veux te marier. Cet homme-là, il va manger quoi? Tu ne sais même pas faire l'omelette. Tu ne sais pas faire ton propre lit. Tes propres vêtements, tu ne sais pas les laver. Est-ce que je te parle? Tu portes des soutiens-gorge avec des taches. Mais tu veux un homme. Comment tu vas laver ses sous-vêtements? Comment toi tu vas laver? Si toi-même tu n'arrives pas à te prendre en charge. Parce que tu n'es pas encore accompli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu nous donne au temps accompli. Dis encore à deux personnes le temps accompli. Regarde bien, regarde-le. Dis le temps arrive, le temps accompli. Le temps accompli. Alléluia. Donc quand on opère dans cette dimension de frapper, tu dois avoir l'espérance. Il faut avoir l'espérance dans ton cœur et être fort dans les épreuves. Deux fois, ton sujet de prière est un désert que tu traverses. Mais depuis que tu es dans ce désert, ah Seigneur, tu as mal, il y a la douleur, il y a des situations, il y a des choses. Tu deviens impuissant face aux situations. Tu veux réagir, mais tu n'as pas les moyens. Tu veux faire, mais tu ne peux pas. Tu veux décider, mais tu n'as pas la décision. Tu deviens impuissant. Il faut être fort dans l'épreuve. Et dans l'épreuve, on prie. Alléluia. Pourquoi c'est important? Paul nous parle aux Romains, Romains 12, 12, il dit, l'espérance, quelle soit votre joie. Soyez joyeux
à cause de l'espérance. Peu importe la situation que tu traverses, il faut savoir qu'un jour, Jésus reviendra. Les souffrances de la terre vont s'arrêter. Les souffrances de la terre vont s'arrêter. Tout ce que nous cherchons sur la terre là, ça va s'arrêter. Au ciel, il n'y aura pas de besoin. Alléluia. Alléluia. Tu ne payeras pas le carburant au ciel là-bas. Au ciel là-bas, nous allons rouler comme ça là. Hein? Si Jésus veut t'appeler, les roues sortent sous tes pieds. Ouh, tu glisses sur les places publiques, tu arrives. Est-ce que je te parle? Il n'y a plus de besoin. Les histoires de la terre, là, c'est pour la terre. Les vêtements, là-bas, il n'y a pas de machine publique, pas de machine à laver. Amen. Hein? Nous avons un vêtement de gloire qui se nettoie tout seul. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Que la terre ne vous trompe pas, mes frères. Tout ce qui est sur la terre est vanité. Le corps est vanité. Le vêtement est vanité. Les maisons, vanité. Voiture, vanité. Argent, vanité. Travail, vanité. Ta fierté, vanité. Tes tissages, vanité. Tes perruques, vanité. De jour, on va t'enterrer. Regarde les sacs de perruques. Des fois, personne de ta famille va vouloir prendre ça parce que tu as mis ça. On jette. Et même ceux qui étaient à côté de toi commencent à avoir peur de ton propre corps. Et même le mari. On dit touche. Non, je recule. On met le cercueil là-bas. Il a peur de toi. Donne-moi la main. Eh oui. La mort te prendra tout, mon frère. La mort te laissera rien du tout. Mais tu partiras tel que tu es venu. Poussière, tu retourneras poussière. Mais le plus important, c'est d'avoir amassé les trésors dans les cieux, là où tu vas aller. Alléluia. Acclame bien fort le Seigneur. Acclame encore mieux le Seigneur. L'espérance. L'espérance soit votre joie. À chaque fois que tu pries, il n'y a pas de réponse. Pense à cette espérance que Jésus nous a promis. Que ça soit l'objet de notre joie. Alléluia. Moi, je suis joyeux. Une fois, je marche, je dis à Dieu, « Oh Dieu, reviens même demain pour qu'on se pose de cette affaire-là. Frère, j'aurais pu accourir derrière toi. Viens à l'église, ça sera terminé. » Et Jésus me voit, il me fait bisous, je m'assois à sa droite. Parce que moi, je serai à la droite. Hein. Je ne sais pas ta place, mais moi, c'est la droite. Alléluia. Donc, il faut être joyeux. Amen. Hein? Deuxième chose, on dit, « L'épreuve qu'elle vous trouve plein d'endurance. » Sur la version semeur, Romains 12, 12. Que le preuve vous trouve plein d'endurance. Alléluia. Puis on dit, la prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Quelqu'un me comprend? Donc le preuve vient en réalité, malgré que tu pries, ça vient pas, ça dure, ça reste là. C'est parce que Dieu est en train de vouloir te rendre endurant. Dieu veut travailler ton endurance. Il t'ouvre un désert et il met devant toi, tu cherches, tu cherches, tu cherches, il ne répond pas. Et là que tu deviens solide, tu prends un caractère de résistant. Je parle à quelqu'un, les vents peuvent souffler, les tonnerres peuvent t'entonner dans le ciel. Mais toi, tu ne chancelleras pas. Parce que Dieu t'a rendu endurant. Amen. Et on dit, la prière va soutenir ta persévérance. Tu veux tenir longtemps, ne t'arrête pas de prier, continue de prier. Ne t'arrête jamais de prier, continue de prier. La persévérance, c'est la persévérance qui fait hériter les promesses, mes frères. Je répète, c'est la persévérance qui te fera hériter tes promesses. C'est là que le Épître aux Hébreux dit, Hébreux 6, 12, imitez ceux qui, par la foi, a dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Hébreux 6, 12, note-le. Je lis pour toi, Hébreux 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Voyez? Et que vous imitiez ceux qui, par, on dit, la foi, on dit, hé, la persévérance hérite des promesses. Ne relâchez pas. Pourquoi? Parce que la persévérance est une porte qui vous conduit droit à l'héritage des promesses que Dieu a eu à vous faire. Amen. Anne est restée plusieurs années dans la stérilité parce que Dieu l'avait rendue stérile. Waouh, mes frères. Dieu a rendu une femme stérile. Pendant des années. Imagine que toi tu es en train de prier, tu demandes à quelqu'un, ton sujet de prière, c'est d'avoir un enfant, mais tu demandes à celui qui t'a rendu stérile un enfant. Ça aurait été nous, on devait se fâcher contre Dieu. Il m'a rendu stérile, je ne vais plus à l'église. Pourquoi je vais prier? Je vais prier quelqu'un qui m'a rendu stérile, laisse-moi tranquille. Et tu vas voir ton vieux féticheur là, bousier, qui va aller voler un bébé dans le ventre d'une autre femme, te donner un démon dans le ventre, et tu enfanteras d'un démon,
et le démon va commencer à menacer toute la famille, un démon viendra dans la famille. Non, Anne est restée là, au pied, en train de prier, de frapper, de frapper, de frapper, de frapper. Elle a persévéré dans la prière, elle frappait. Elle n'a pas considéré que c'est Dieu qui l'avait fait, mais elle frappait. Pourquoi? Parce que Anne avait compris que tout concourait à son bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia! Alléluia! Les Samuel sont les enfants de la persévérance. Samuel est né dans la persévérance. Et Samuel, c'est lui qui a succédé, qui a oué même David, qui a succédé à Élie. Samuel, les enfants de la persévérance. Je veux dire que le fruit de la persévérance est doux à consommer. Parce que Dieu est au contrôle. Tout ce que tu obtiens après des longues dates, c'est agréable. Dieu est au contrôle. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Amen. Il y a des promesses qui ne s'accomplissent que dans la persévérance, quand nous persévérons dans la prière. Il y a d'autres promesses qui peuvent s'accomplir. Tu pries, ça s'accomplit. Mais il y en a d'autres. Tant que tu n'as pas persévéré, ça ne viendra jamais. Ça ne viendra jamais. Tu ne peux jamais rentrer dans ça si tu ne prends pas le soin de persévérer. Amen. Hein? Pourquoi c'est important la dimension de frapper? Parce que c'est une dimension qui appelle la promesse vers toi. Quand tu frappes, au fur et à mesure que tu pries, la promesse est en train de se rapprocher de toi. Alléluia. Et Dieu va faire à ce que la prière de frapper va faire à ce que Dieu va permettre à Dieu d'aligner toutes les promesses derrière toi. Tu ne les vois pas. Au fait, chaque fois que tu pries pour quelque chose et que tu ne vois pas l'exaucement, c'est que cette chose, Dieu est en train de l'aligner derrière toi en stock. Et au fur et à mesure que tu marches, tu ne les vois pas. Mais Dieu les positionne derrière toi en train de les aligner. Plus tu es en train de prier, plus tu es en train de compléter ce que ces choses ont besoin. Des fois, tu vas prier pour une voiture, mais Dieu est en train de préparer déjà des moyens pour que tu payes le carburant, pour que tu payes le péage, pour que tu payes. Mais il met tout ça derrière toi. Mais toi, tu pries, tu es comme ça. Tu ne vois pas encore. Amen. Au fait, lorsque tu frappes, c'est là que les prières sont en train d'accompagner, les promesses te poursuivent au fait. Les promesses te poursuivent. Et à un moment, tu arrives devant la porte, dès que Dieu ouvre comme ça, boum! Le problème, c'est que les promesses, ça passe maintenant devant nous. Et tu les vois tous accomplis. Tu dis, hé, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. C'est comme ça. Donc les promesses te poursuivent. Même si tu ne. On dit, voici les miracles qui accompagneront. Les miracles t'accompagnent, c'est devant ou derrière? Derrière toi. Dieu a préparé des choses, il a mis derrière toi. Quand tu marches, les miracles t'accompagnent. Mais le problème, c'est que tu ne les vois pas. Ah Seigneur, le miracle, il dit, il tourne toi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Tu as la foi, tu as cru à Jésus. C'est pareil pour les promesses. À chaque fois que tu pries, les promesses sont en train de te suivre derrière. Juste une question de temps. Lorsque le temps est accompli, Dieu a donné son fils pour le salut de l'humanité. Alléluia. Donne-moi le amen. Est-ce que je te parle? C'est comme ça mes frères. Vous devez persévérer. Persévérer. Il y a des choses, tôt ou tard, qui vont toujours t'accompagner. Tôt ou tard, ça viendra. Attends la prophétie. Elle suit son cours. Elle suit son cours. Elle s'accomplira certainement. Même si elle tarde, il y a un temps qui a été déjà préparé. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Oh, j'aime le prophétique, la dimension de prophétiser, mes frères. Ah, vous savez, il y a ce qu'on appelle la prophétie, il y a ce qu'on appelle la parole prophétique. Amen. Mais moi, je dis toujours, la parole prophétique est plus puissante que la prophétie. Je peux répéter pour toi, la parole prophétique est plus puissante que la prophétie. Pourquoi? Parce que la parole prophétique est une parole appuyée par la foi de quelqu'un et qui ordonne les choses et les choses se manifestent dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça que je prophétise sur toi les grâces. Je prophétise sur toi les faveurs. Je prophétise pour toi, frère. Les choses que tu n'avais jamais vues, tu commenceras à les voir cette année et c'est maintenant. Alléluia. Donne-moi le amen. Donne-moi les amen. Vous devez avoir les paroles prophétiques. Prophétisez, prophétisez, prophétisez. Merci, Dieu te bénisse. Acclame Jésus pour moi. Acclame pour la sœur. Vous devez prophétiser. Prophétiser. Les paroles prophétiques. Et ça, c'est capital. Waouh.
get his glory à Dieu. Rentrons dans la dimension de demander. Acclamons le Seigneur. Je sais que beaucoup attendaient ça. Beaucoup attendaient ça. Acclamons le Seigneur. Hier, quand j'ai annoncé la dimension de frapper, d'autres m'ont regardé comme ça. Hein? J'ai dit oui, hein? Ça a changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que demander, c'est la prière préférée des chrétiens. Mais aujourd'hui, je suis désolé, mes frères, de vous dire que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris la prière de demande. Beaucoup ne l'ont pas compris. C'est pour ça que Jacques s'attarde, il dit, vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il dit, votre intention, c'est de satisfaire vos besoins. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas compris comment on demande des choses à son Père. Je parle à quelqu'un. Dis à deux personnes la dimension de demander. Alors, on se pose, on relit notre texte de base. Luc chapitre 11, versets 9 et 10. Luc chapitre 11, versets 9 et 10. Voici ce que la Bible dit. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Ça, on a vu. Frappez, on vous ouvrira. On a vu. Car quiconque demande, reçoit. Car quiconque demande, reçoit. Tout le monde, tous ceux qui peuvent demander, recevront. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ce qui m'a intéressé dans ce texte, c'est lorsque Jésus dit, je vous dis, demandez. Demandez. Et vous constatez ici, demandez, il met ça comme il a dit, prier, impératif. Ça va? Il dit, vous devez demander, vous devez prier. Ça va? Il dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez. Alors, quand j'ai vu demander ici, je suis allé un peu comprendre ce mot. J'ai compris au fait, demander qui est employé ici, c'est Haïti, qui veut dire réclamer, solliciter, prier. Trois choses, vous voyez? Réclamer, solliciter, prier. Autrement dit, la dimension de demander arrive lorsque tu ne fais plus les prières de demande seulement, mais tu commences à réclamer ou à solliciter Dieu pour tes besoins au moyen de la prière. Je répète pour toi. La dimension de demander arrive lorsque tu ne fais plus les prières de demande seulement. On ne dit pas que tu ne dois plus demander. Mais tu commences à réclamer ou à solliciter Dieu pour tes besoins par le moyen de la prière. Ça va? Voici, je vous donne les critères. Celui qui a atteint la dimension de demander, vous allez constater que c'est quelqu'un, il réclame à Dieu son héritage. Il réclame à Dieu son héritage. Note-le. La dimension, une personne qui opère dans la dimension de demander ne fait pas seulement ou non plus seulement les prières de demande, mais il réclame à Dieu ce qui lui appartient. Je parle à quelqu'un, c'est là où tout se joue, mes frères. Nous sommes dans Romains chapitre 8, le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Hériter de Dieu, co-hériter de Christ. On a pris chez Dieu et on a pris chez Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Un enfant de Dieu souffre toujours avec Dieu, il porte des fardeaux de Dieu. Mais on précise ici bien que nous sommes des héritiers. Au fait, tout ce que nous avons besoin fait partie de notre héritage. Ce qui est à toi, tu vas le demander encore à qui? C'est un droit, c'est à toi. La Bible dit, le testament est valable si la mort du testamentaire a été constatée. Ok? Christ est mort. Le testament de notre héritage est valable. Tout ce qu'il nous avait promis devient valable. Donc, nous avons des choses qui nous appartiennent. Nous sommes des ayants droit dans le royaume. Je parle à quelqu'un? C'est pour ça que Paul va prendre la parole dans Éphésiens, il va dire, Éphésiens 1, 11, en lui nous sommes, aussi devenus héritiers. En lui nous sommes, on n'a pas dit nous serons, nous sommes héritiers.
Ça, c'est ce que j'appelle, moi, des faits bibliques. Les faits bibliques, c'est des choses qui se sont déjà passées. C'est déjà fait. On ne dit pas que tu seras, on dit tu es héritier. Acclame Jésus, je vais continuer à t'expliquer. Nous sommes aussi devenus héritiers et ont été, voyez, et ont été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est très compliqué pour toi. Je vais te lire la version semaine de cette portion pour que tu comprennes. On dit, selon l'intention qui inspire sa décision, ainsi nous avons été destinés d'avance. C'est-à-dire, le fait que moi et toi, nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, c'est une décision divine, mes frères et sœurs. C'est Dieu qui a décidé de sa propre volonté de faire de toi et de moi son héritier. Acclamons Dieu, notre Père. Acclamons-le bien fort. Acclamons-le Dieu bien fort. Amen. Hein? C'est pour ça, quand tu es né de Dieu, quand tu es né de nouveau, tu ne dois pas faire seulement des prières de demande tout le temps, mais tu dois réclamer ton héritage à ton Père. Réclamer ton héritage à ton Père. Alléluia. Le fils prodigue était le fils prodigue, n'est-ce pas? Il a dit à son Père, Papa, donne-moi la part de mon héritage et que je jouisse de ça maintenant. Si le Père avait eu le choix, il ne devait pas lui donner quoi que ce soit. Mais parce que le Père n'avait pas le choix, il avait déjà établi que cet homme est héritier. Je parle à quelqu'un? Donc quand tu viens demander des choses à Dieu, souviens-toi, première chose, qu'il est ton Père, et deuxième chose, que tu as un héritage auprès de lui. Amen. Dis à deux personnes, dans la nouvelle alliance, Dieu est le Père. Pas la voisine du derrière qui n'a pas compris. Dis, la nouvelle alliance, Dieu est le Père. Vous demandez des choses à votre propre Père, c'est comme si vous étiez des orphelins. On voit des chrétiens qui demandent, ah Dieu, donne-moi le livre, Dieu, donne-moi le travail. Oh, tu pleures quelque chose qui est à toi. C'est comme si on prend le mouchoir, on laisse à côté de toi. Le Père est devant là. Le Père te dit, ce mouchoir-là est pour toi. Et toi, tu es devant, tu demandes le mouchoir. Papa, donne le mouchoir, donne le mouchoir. Non, on dit, papa, je peux prendre ce mouchoir parce qu'il m'appartient. Tu l'as dit, tac. Oh. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Non, non, si tu comprenais, tu allais bien acclamer le Seigneur mieux que ça. C'est ce que nous faisons. Papa, bonsoir, 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 bonsoir. Trop de problèmes, dépassés. Chaque fois que tu pries, les larmes coulent. Le chrétien comme ça, quand il demande à Dieu, les larmes coulent. Tu dis, hé, moi je suis vivant éternellement, mais toi tu fais ma veillée pour des choses que je t'ai déjà données. C'est pour ça que les anges, vous savez, il y a des gens qui vont se faire gifler par les anges qui les accompagnent. Le jour de l'enlèvement, tu rates l'enlèvement, il te tape et dit, toi tu m'as emmerdé, allez reste là-bas et tout. Il monte pour lui. Parce que vous fatiguez. Dieu dit, moi je t'ai déjà donné. Toi tu pleures encore pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à deux personnes la dimension de demander. Dis la dimension de demander. Ouais. Pour atteindre la dimension de demander, il faut que tu grandisses dans la foi. Pourquoi? Parce que tant que tu ne grandis pas dans la foi, tu ne peux pas comprendre que tu es un héritier. Tu vas aller chercher les choses que tu as en héritage. Waouh! C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il parle aux disciples, ceux qui le suivaient, il leur dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas de plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. Après, il dit, ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Voyez? Ceux qui s'inquiètent de ces choses, ça montre que c'est des hommes et des femmes qui ont peu de foi. Pas qu'ils n'ont pas de foi, mais ils ont peu de foi. Et quand tu as peu de foi, dès qu'on dit, allez, adorons Dieu, tu n'arrives pas. Louons-le, tu n'arrives pas.
demandant. Aïla, ta bouche est déliée. Marakata kotosuto. Tu demandes à ma Dieu en parlant en langue. Donne-moi la main que je te parle. Jean de peu de foi. Il dit, ceux qui demandent seulement, ceux qui demandent seulement et qui n'ont pas encore compris, c'est parce qu'ils n'ont pas de foi. Ils ont très peu de foi. Alléluia. Donc, lorsque tu as peu de foi, tu fais partie des enfants de Dieu. Mais tu dois grandir pour devenir un fils de Dieu. Parce que le fils sait qu'il est héritier. Mais l'enfant pense qu'il sera héritier. Le fils sait qu'il est héritier. Mais l'enfant pense qu'il héritera. Alléluia. C'est pour ça que Paul va parler à l'église de Galates, donc Galates 4:1, il dit, aussi longtemps que l'héritier est un fils, il ne diffère rien d'un esclave, c'est ça? Non, c'est pas ça, vous voyez, vous lisez pas la Bible. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est ce que la Bible dit. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis, il ne diffère en rien d'un esclave. On dit, quoi qu'il soit le maître de tout, tu as tout, mais quand tu ne comprends pas que tu es héritier, tu vas te comporter comme quelqu'un qui n'a rien. Et c'est ça qui fait que nous envions les autres. Nous envions les autres. Les pasteurs s'envient entre eux. Ils ne savent pas que l'héritage est accessible à tous. Amen. Hein? Voici. Un enfant va prier, il va dire, Seigneur, je veux que tu me donnes une voiture, car je suis ton enfant. Seigneur, je veux que tu me donnes une voiture, car je suis ton enfant. Ça, c'est la prière des enfants. Maintenant, un fils va dire, Père, vous voyez, la prière change, ça change tout. Il dit Seigneur, parce que lui, quand il est né de nouveau, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça, lui, dans son langage, c'est Seigneur. Donc, il dit propriétaire de tout. Je parle à quelqu'un. Oh, Dieu dit non, je suis plus seulement propriétaire de tout. Maintenant, toi aussi, tu es propriétaire de tout, je suis ton père. Acclame Dieu, je t'ai expliqué. Le fils dit, Père, je réclame une voiture pour être plus mobile et conduire les frères et sœurs à l'église. Car je sais que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Prière de fils. Oh, acclame-moi bien fort Jésus, acclame bien le Seigneur. Alléluia. Oui, Père, Seigneur, donne-moi une voiture, non? Hé, t'as dit, c'est dur pour moi, je marche à pied. Donne-moi une voiture, non? Enfant, le fils dit, Père, je réclame la voiture. Parce que j'en ai besoin. Et le fils, Jésus, dans la dimension du fils, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Il arrive, il est fatigué de marcher. Il veut rentrer à Jérusalem. Il envoie les apôtres. Allez là-bas. Vous trouvez un éleveur là-bas. Vous lui dites, hein, donnez-moi un animal sur lequel je monterai. Quand il vous posera la question, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Au fait, le propriétaire en a besoin. Et les apôtres sont partis. Bonjour monsieur. Ta bête là, le gars nous a dit, il faut donner parce que lui, il est le propriétaire, il en a besoin. Et le gars a donné la bête, et Jésus est monté sur la bête, il rentre maintenant à Jérusalem, les femmes crient, ah Jésus, vous voyez? Parce qu'il était fils, il savait qu'il était héritier. Il n'a pas dit, ah vraiment, Pierre, allez leur dire, comment c'est fait pour me donner leur bête? Je suis fatigué dans mes jambes, aïe, 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 non! Il sait qu'il est héritier, tout ce que la terre est là, a été faite par lui, parce qu'il est la parole avec laquelle le Père a tout créé. Donc cette bête-là a été créée par la parole, la bête lui appartient. Est-ce que je te parle? Un fils, c'est celui qui parle et qui réclame les choses. Amen. Alléluia. Il y a une différence entre celui qui fait la prière de demande et celui qui réclame ce qui lui appartient. Tu demandes, on te donne pas. Mais quand tu réclames, parce que ça appartient. C'est pour ça que le fils va dire, oh Père, je veux ça, je réclame ça, parce que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions, dans mes bénédictions, il y a ça. Donc ça arrive maintenant. Et le fils détaille, il donne l'utilité, parce que le fils a compris que ça là, la voiture, c'est pas pour aller draguer des femmes, non. C'est pas pour impressionner les gens à l'église, non. Parce qu'on voit l'esprit de séduction à l'église. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ramène une belle voiture. Vous les chrétiens, vous faites très honte. Quelqu'un vient visiter votre église. Quelqu'un vient dans une belle voiture se garde devant l'église.
Tu vas voir les frères et sœurs de l'église, les photos devant la voiture du gars. Pourquoi ne faites pas des photos sur le mur de l'église, là où c'est marqué MCA avec le panneau qui fait ça bizarre? Vous partez tous devant la voiture. C'est la convoitise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi la main et acclame Jésus bien fort. Alléluia. Donc, c'est la taille de ta foi qui déterminera ta capacité à faire des demandes à Dieu. Plus tu es grand dans la foi, plus tu réclameras, moins tu es grand dans la foi, plus tu demanderas des choses. Plus tu es grand dans la foi, plus tu réclameras. Moins tu es grand dans la foi, plus tu demanderas des choses. Ceux qui demandent beaucoup, c'est des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas des fils de Dieu. Et toi, tu es fils de Dieu. Et tu es fille de Dieu. Parle à la voisine. Dis, voisine, je suis fils de Dieu. Et je suis fille de Dieu. Dis-le bien. Dis, voisine, voisin, je suis fils de Dieu. Et je suis fille de Dieu. Maintenant, acclame Dieu pour la voisine et le voisin. Amen. Montre-moi ta manière de demander des choses à Dieu. Je te dirai si tu es un enfant de Dieu ou tu es un fils de Dieu. Ta manière de demander les choses. C'est pour ça que vous ne verrez pas les pasteurs venir sur l'estrade. Oh Dieu, donne-nous les chaises rouges à l'église, Seigneur. Nous sommes fatigués des chaises plastiques. Donne-nous les chaises rouges. Allez, acclamez le Seigneur, vous demandez les chaises rouges. Seigneur, on veut les chaises rouges. Seigneur, on veut les chaises rouges. Dieu dit, mon serviteur. Et il sourit. Non, les pasteurs, ils ne demandent pas comme ça. Ils lèvent la main, ils disent, Père, que cette église soit remplie de chaises rouges. Ah Dieu, dans un délai de 2 mois, je veux que les chaises soient remplies, l'église soit remplie de chaises rouges. Après, il ouvre les yeux. Il n'y a pas de chaises rouges. Allez, Dieu lui dit, tu m'as prié, j'ai la possibilité de venir. On fait comment? Le pasteur dit, on fait comment? Dieu dit, oh, maintenant, il faut que tu parles. Il vient à l'église. Opération chaise. On va acheter des chaises à l'église. Tu vas voir même la sœur qui n'a rien dans son compte bancaire. Elle va sortir l'argent pour acheter 10 chaises et vous serez étonnés. C'est lui qui inclut les cœurs des rois. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Mais si le pasteur se prosterne pour demander à Dieu des chaises rouges, je t'assure qu'ils se prosterneront devant ceux qui doivent cotiser pour les chaises rouges. Je parle à quelqu'un. Si le pasteur pleure pour les chaises rouges, il va aller pleurer devant ceux qui vont cotiser pour les chaises rouges. Mais s'il ordonne que les chaises à rouges, il parle, Dieu va toucher les cœurs et les chaises rouges vont rentrer. Et ça marche comme ça dans l'église. Alléluia. Donc, avant le 31 décembre, nous allons changer de moquette dans cette salle. Nouvelle moquette, opération moquette. T'en amènes un petit, as-tu regardé à ta poche? Dieu frère, c'est ton problème! Nous allons changer de moquette, opération moquette. 31 décembre, changement de moquette. On va enlever la moquette de Covid là, on arrache ça. Les scotch par terre, là on est fatigué, le Covid est fini. On a là, on arrache, on change de moquette. Le voisin n'est pas d'accord avec moi. Parce que c'est encore bien. Je te dis que c'est plus encore bien. Alléluia. Vous devez changer, il faut réclamer à Dieu, réclamer votre héritage. Ne pleurez pas, demandez en pleurant en larmes. Hein, Dieu, je suis fatigué de demander. Il dit, mais tu es fatigué, le truc est à côté de toi, pourquoi tu m'importunes? Je parle à quelqu'un. Donc, la dimension de demander, pour continuer, je dirais, la dimension de demander exige la maturité spirituelle. La dimension de demander exige la maturité spirituelle. Tu atteins un niveau où tu changes ta manière de demander à Dieu. Tu commences à faire des réclamations au lieu de faire des demandes. Ça, c'est l'apanage de ceux qui opèrent dans la dimension de demander. C'est une dimension. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas encore arrivés là. Acclamons le Seigneur. 19h40, nous allons nous tenir debout. Et demain, nous allons continuer avec la dimension de demander. Alléluia. Je vais inviter les chants sur l'estrade. Nous allons chanter à la gloire de Dieu. Et je vais te demander de commencer à disposer ton cœur pour dire à Dieu, j'ai entendu ta parole. Je veux accéder à la dimension de demander. Je ne veux plus faire seulement des prières de demande,
mais je veux accéder à cette dimension, opérer dans la capacité de réclamer ce qui est à moi, ce que tu m'as donné par testament. Lève ta voix et commence à prier. Dis à Dieu de changer ta perception. Dis de changer ta perception. Lève ta voix devant son trône. Lève ta voix. Ey mande rebo saya kabaya andere. Robaye sete ke poso koba ante ke baa. Re basataye ke prosoko a. Oh Père, nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Kebra et alebro. Sonia mandala bro ya kete bro. Oh kamase yaka. Père, oh matia bande le bro. Eh yamate kabraya. Appelle ton père. Regarde à ce problème que tu es en train de frapper depuis des années. Maintenant, réclame-moi ce problème. Change de niveau. Va dans la dimension de demander. Réclame ce problème à Dieu. Réclame-le. Dis, je suis héritier. Il est écrit. Tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Réclame-le. Roma mamamanda la brosa, kaya brande le brosa. Et yarabada rabashata brande le brosa. Acclame Dieu pendant que tu pries. Réclame. Nous sommes héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Palabalabasatalabas. Hey, Yamandanebro Kimahata. Longtemps tu as fait frapper, longtemps tu as demandé, il n'y a pas eu d'exaucement, mais la chose est devant toi, tu es un héritier, parle différemment à Dieu, aujourd'hui prie différemment, la dimension de demander, prie différemment, Rebandarabroso, Eriabarabakatalabro, Eriamandarabrosa, Erabakatabroya, et Père, nous sommes des fils, tu nous as manifestés dans notre génération, la Bible déclare la création. Attends avec un ardent désir la manifestation, la révélation de ceux qui sont fils de Dieu, les héritiers de la promesse. Oh notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous sommes héritiers, nous le savons, nous prenons conscience. La Bible dit, tu nous avais prédestinés pour être des héritiers et des co-héritiers de Christ. Oh Dieu, pourquoi nous demandons avec des larmes, accorde-nous cette grâce de changer la dimension. Maya rakebosa, eramandebro sokoyabra, reba kadabro yaha, oh ramandebosa ya, tu dois réclame ce qui est à toi, le diable est un menteur, la grâce est venue par Christ, et tu es co-héritier de Christ, la grâce est venue par Christ, tu ne souffriras pas pour toutes choses. Il y a des choses que tu dois obtenir parce que ça fait partie du paquet. Ça s'appelle la grâce. Jésus a payé cette chose pour toi et il a fait de toi son co-héritier, héritier de la même nature, héritier à la même place, héritier de la même dimension. Change ta manière de demander à Dieu. Réclame sa parole. Comptabilise ses promesses et réclame ce qui est à toi. Réclame, shabalabalaba shatalabo shaya, eramane kebroya habasaya, réclame, rebababo shakatabroya, erakatabro sakaya mandalaboya, orabababo shakaya, je libère sur vous, le Saint-Esprit, qui intercède, qui demande à votre place, par des soupirs à l'intérieur, lorsque vous ne savez pas quoi demander, le Saint-Esprit
soupir, il rappelle l'héritage à votre place. Il rappelle l'héritage. Rebakatarabo, dimension de demander, dimension de demander. Église de Dieu, changez de niveau, changez de niveau, changez de niveau. Augmentez dans la demande, augmentez dans la demande. Réclamez bien plus qu'une demande. Réclamation de son héritage. Oh, le fils prodigue, Père, donne-moi une part de mon héritage, de mon héritage. Il n'a pas dit de tes biens, il a dit de mon héritage. Autrement dit, des biens qui m'appartiennent, mais qui seront de mes. Donne-moi une part. Il faut que tu puisses dans ce stock. C'est à toi. Mais pourquoi tu pleures pour ça? C'est à toi. Dieu te l'a donné. C'est à toi. Il a donné. Il a donné. Le testament est valable. Le testament est valable. Le testament est valable. Christ est mort. Le testamentaire est mort. Et le testament est valable. Sa mort a été constatée. Mais bien plus encore, il est ressuscité. Et il a fait de toi héritier de la même nature que lui. Héritier de la même nature que lui. Héritier de la même nature que lui. Réclame, réclame. Je prie que tu changes de dimension. Je prie que tu changes de dimension. Cette année, cette saison, ta manière de demander à Dieu va changer. Tu vas laisser la dimension de demander les choses pour accéder à la dimension de réclamer les choses. De réclamer les choses. Commande à l'amour et ravaya karabasaya kata. Romanda kabroya sakayaya. Ayamanda la mosheke yamanda la mosaya. Réclame, réclame. Cette situation n'est pas faite pour toi. Réclame. Jésus est mort à la croix. Il t'a donné les grâces, les faveurs. C'est ton partage. C'est ton partage. Yéma la kadabro yanda la bra. Oh 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 oh. Ah. Oh oh oh. Vas-y, vas-y, acclame-le. Acclame-le, prie. Oh 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 oh. Recevez la plénitude qui rappelle que vous êtes héritier, qui rappelle que vous êtes des héritiers, des co-héritiers de Dieu. Malakate Yasso, oh la machakaya, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a dit ça, donc il est mon berger, moi je ne manquerai de rien, parce que il y a un héritage quelque part, il y a un héritage là où la rouille, la teigne ne peut pas arriver, il y a un trésor. Maria Kete, Eyamanda, Oyiba Sakaya, Tona Manelebro, Remande Kebra, Rabaya Katalabraya, Ola Braya Basakaya. Oh, 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 papa, 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 oh, Shatakabra, oh, Manebro Koya, Ronda Kebro Sayakata, possède, possède. C'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu gémis? Dieu a tout préparé, Dieu a tout promis. Il a fait de toi un héritier, un héritier. Au nom de Jésus, l'héritier opère. L'héritier opère dans la dimension de demander. Il ne demande pas, mais il réclame, il réclame, il réclame son héritage. Nous avons été bénis de toutes sortes, de toutes sortes, de toutes sortes. La guérison est une sorte, la faveur est une sorte, le travail est une sorte, les papiers sont une sorte. Oh, toutes sortes, toutes sortes. Maracate brosaya marababa. Oh, oh, hey, mandaya hola, pana mandala kaprosata. Trente jours célestes, le ciel sur la terre, majesté.
Oh, 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 nous sommes héritiers. Oh, oh, malakata yaho, mindana blaza yaha. Hey, 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 oh, 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 hey, oh. Prière de la foi du jour. Sixième jour. Lève ta main droite et prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai compris ta parole. Aujourd'hui, je prends la résolution de grandir avec toi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de devenir un fils. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision d'appliquer ta parole. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris que je suis héritier. Seigneur Jésus, à compter d'aujourd'hui, je ne demanderai plus, mais je prendrai, je réclamerai dans mon héritage ce qui est à moi, ce qui est à moi. Et acclame bien fort le Père, réclame. Yobara baba babosha. Mareba tabara sakatabra yandaria. Roma deria bo, seke brandala brosa. Reba kataro brasaya. Roma dara bro. Réclame cette chose, réclame cette chose. Réclame, 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 réclame. Oh, tu es comme ton Père. Il appelle à l'invisible les choses qui sont de l'invisible. Il les appelle comme si elles étaient parce qu'ils existent. Oh, ce que tu lieras sur la terre n'est-il pas écrit, sera lié dans les cieux. Mais pourquoi tu ne parles pas? Parle, parle, parle. Demande-lui, demande-lui. Va au profondeur. Réclame, réclame. Parle-lui. Oh, Dani, je sais, dans mon héritage, il y a cette chose, il y a cette autre chose, il y a cette chose, il y a cette autre chose, il y a cette autre chose. Il y a autre chose, il y a cette... Oh, marrande quebrou. Hey, yabarabah, oh, oh, oh.